a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it is. No. Les élèves de Sainte-Marie, c'est des visites, on va dire un peu régulières chez moi, les Stabinets des Mots à la Bouche à Saint-Sylvestre-Capelle, qui est un lieu d'accueil, de partage, un peu culturel également, dans le milieu rural. Et donc je leur parle tout simplement de cette manière, de la manière qu'on a de gérer cette balade et la manière dont je gère les Stabinets. Voilà, c'est tout. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir aussi à recevoir les élèves et leurs professeurs. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it is. No. When I was young, it's not my problem. Alors cette idée, elle est venue d'une équipe en fait. Au départ, on était quatre. On a passé beaucoup de temps l'année dernière en formation professionnelle. Et donc de nos discussions avec notamment notre collègue numéro 4 qui n'est pas là aujourd'hui. Elle est de la Lozère. Petite pensée à elle aujourd'hui d'ailleurs. Oui, pratique les Olympiades. Donc en discutant, on s'est dit bah, pourquoi pas chez nous les Olympiades services à la personne qui permettrait donc de réunir les établissements donc, du secteur dans lequel on travaille. Alors ce matin, on a une épreuve qui se déroule en français, donc c'est une épreuve en fait d'intervention à domicile. Et cet après-midi, donc on retrouve en fait la même chose, une épreuve d'intervention à domicile, mais cette fois qui se déroulera en anglais. Alors on a tous, il y a 20 candidats aujourd'hui, 15 lycéens et 5 apprentis. Donc aujourd'hui, on a la présence de 8 établissements des Hauts-de-France sur 9. Alors chaque année, on espère reconduire cette opération chaque année et pour remettre en jeu donc, le trophée. Donc un trophée qui mesure à peu près 50 cm et qui sera remis aux vainqueurs lycéens ou apprentis. Et donc les 3 premiers lycéens et le premier apprenti remporteront un chèque, un bon d'achat en fait. When I was young, it's not my problem. It's not my problem.
Fédération des foyers ruraux, donc qui est à l'IDER. Donc voilà, donc nous avons travaillé sur un projet autour des réseaux sociaux, les dangers liés à Internet et réseaux sociaux. Et avec l'aide d'un vidéaste professionnel, nous avons tourné un clip avec les lycéens, donc du lycée Vert sur la Lys. Un très très beau projet en fait qui a été ensuite pour le clip diffusé sur le salon Rural Livre à Fruges, qui est un salon littérature jeunesse. Donc voilà, c'était un super projet qui s'est vraiment très bien déroulé avec des jeunes très motivés et que je remercie d'ailleurs, c'était vraiment super. Donc voilà, merci à vous tous. Mais autour de moi, tout tourne si rond. Des balles doux, doux, des bagnoles. Au rythme, tchouk, tchouk, du train des Batignolles. Au murmure de la ville, le matin des nuits folles. Rien ne t'avole et j'aime encore mieux ça. Je m'appelle Benoît Roussel, je suis président de la Ligue des droits de l'homme du Pas-de-Calais et le lien avec le lycée Sainte-Marie et Vert sur la Lys, c'est la journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars où on a conclu un partenariat qui a été vraiment une réussite, une très belle aventure avec l'organisation d'une conférence, d'un débat et d'une exposition sur la Lys.